Hey, salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Samoud87. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 en mode zombie sur la carte Tag der Toten, qui est donc la dernière et ultime map de ce mode zombie, en tout cas sur Black Ops 4. Alors, dans cette vidéo, les amis, je vais vous montrer le glitch le plus facile à faire sur la carte. Quand je dis facile, vous allez voir qu'il est vraiment très simple, dans la mesure où vous n'avez vraiment besoin de rien. Pas besoin de spécialiste, pas besoin de boisson ou d'armes spécifiques. Comme vous allez le voir, ce glitch est vraiment très très facile. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier Smiley Glitcher qui est le founder de ce glitch. Je mettrai par ailleurs le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Mais avant de commencer la vidéo les amis, comme d'habitude vous connaissez les bails, j'aimerais qu'on atteigne la barre des 50 likes pour cette vidéo. Donc les amis, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et pour me montrer que mon travail vous plaît. Alors ça vous prend vraiment que 3 secondes pour cliquer sur le petit pouce bleu, s'il vous plaît faites-le, car je me rends compte que beaucoup d'entre vous ne le font pas et c'est pas bien. Donc si vous voulez me soutenir, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et ceci étant dit les amis, place au glitch. Alors pour faire le glitch les amis, c'est très simple, vous allez vous rendre tout simplement sur le bateau et vous allez venir à l'intersection des deux bateaux, là où je me trouve. Et vous allez tout simplement vous mettre sur votre droite, il y a un petit passage, et vous allez tout simplement aller là où il y a la petite fenêtre, comme je vous montre actuellement dans la vidéo. Et tout simplement ce que vous allez devoir faire à ce moment là, c'est courir et sauter contre le rebord de la fenêtre. Alors c'est pas très compliqué d'y rentrer, normalement en un ou deux coups vous devrez pouvoir y arriver. Et normalement si vous sautez bien comme moi dans la vidéo, vous serez complètement invincible dans le glitch. Alors il se peut que toutefois, comme pour le glitch de Classified, que lorsque vous sautez dans le glitch, vous soyez mal mis dans le glitch et que les zombies arrivent à vous taper. Donc si ça arrive, ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à penser que le glitch ne fonctionne pas ou qu'il est patché. Non, c'est simplement que vous avez mal fait le petit saut pour rentrer dans le glitch. Donc si ça vous arrive, redescendez du glitch et remontez-y. Et normalement, comme c'est le cas pour moi dans la vidéo, si vous faites bien le glitch, vous serez complètement invincible aux zombies. Uniquement les chiens pourront vous infliger des dégâts. Mais normalement, si vous faites bien attention, ça ne devrait pas poser de problème. Et seuls les chiens pourront encore une fois vous faire des dégâts. Donc voilà les amis, ce glitch encore une fois est très simple à réaliser. Vous avez vraiment besoin de rien. Moi pour ma part, pour l'avoir testé, j'ai réussi à faire 60 manches dans ce glitch. Donc vraiment, il est très très bien pour faire ce que vous avez à faire sur cette carte. Vous allez pouvoir faire vos niveaux, vos plasmas d'ébullium, vous allez pouvoir monter vos camouflages d'armes, faire vos XP, monter vos prestiges, etc., etc. Donc voilà les amis, si vous avez quelconque difficulté avec ce glitch, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir comme à chaque fois de vous lire, de vous répondre et de vous aider du mieux que je peux. La vidéo est à présent terminée les amis, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 10 000 abonnés. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.